Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on est plongé dans le printemps, le bon moment de l'année pour les fleurs, l'éclosion, les oiseaux. Et mon dieu, j'ai du retard, on est déjà en automne. Bon, c'est parti, je spoil déjà. Donc, Colibri, c'est quoi? C'est un petit jeu, un peu shoot'em up aventure sur la 32X, une console sur laquelle on n'a quasiment fait aucune vidéo. On avait fait Virtua Racing, il me semble. Sur la 32X, et puis c'est tout. Alors que c'est une console qui mériterait peut-être un peu plus d'attention. Évidemment, ce n'est pas un jeu de voiture de course que vous aurez là cette fois-ci. Je voulais changer un tout petit peu de type de jeu pour une fois, parce que ce jeu est assez peu connu, j'ai l'impression. Allez, c'est parti, donc on va voir les options. Alors, on peut changer la difficulté. Moi, je vais tout de suite au mode easy, parce que pour le moment, à voir s'y remettre. On peut choisir mode 1 joueur ou 2 players. Bon, combien qu'une seule manette devant, si on jouait en mode 1 player. On a les choix, donc le A pour les spéciales, B weapon et C burst. Le hold direction while firing, change direction while firing ou hold direction while firing. Alors ça c'est un petit peu compliqué. Alors, on va laisser par défaut. Burst speed normal, fast. On va laisser en vitesse normale. On peut choisir de ne pas remettre de musique, de mettre que le sound effects. Alors là, ça va être ultra austère, donc dans le doute, on va garder la musique. Et on va faire un sound test. Les musiques sont plutôt sympas. Alors la 32X, c'était quoi? C'était un petit module qui se rajoutait sur la Mega Drive qui permettait donc d'utiliser un processeur différent graphique, ce qui rendait les jeux plus jolis que par rapport à la Mega Drive. Et là, on le voit un peu ici déjà au niveau des couleurs. Bon, c'est pas transcendant, mais les couleurs semblent un petit peu mieux. On va commencer avec un nouveau jeu directement. Et c'est parti. Alors, je me déplace avec la croix directionnelle. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à faire, hein. Je appuie sur A, B, C, il se passe rien. Vous voyez, je peux faire une petite charge avec la touche C. Voilà. Je peux parler à mes collègues. J'imagine que je peux leur parler. Oh, bah non, il se passe rien du tout. Donc le jeu est plutôt fluide. Bon, après encore heureux, hein, ça reste du scrolling classique. On va avancer un petit peu. Vous allez voir, on a les bestioles qui nous courent autour. Donc c'est un voilà, scrolling sur plusieurs niveaux, hein, ce qui était plutôt bien réussi à l'époque. Mais ça reste de la 2D. Hein. Alors je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Si j'appuie sur R, il se passe rien. Voilà, ça me fait un petit peu mal, mais il se passe rien du tout. Bon, c'est pas grave. On va avancer. Je vais voir s'il y a une touche que je peux faire. Non, il se passe rien. Oui, il n'y a pas de menu en fait. Hein. J'allais tout droit, mais il se passe rien du tout. Alors j'ai déjà dû rater un épisode, un truc que j'ai pas dû. On va descendre un peu. Là, il y a une sorte de. Je sais pas ce que c'est. Ah, je me suis bouffé par une grenouille. Allez, on va recommencer. Je ne sais absolument pas ce que je suis censé faire en fait. Là, on a des papillons. Alors, j'ai compris comment on fait une charge, par contre, je n'ai pas compris comment utiliser les autres touches. J'ai l'impression que je tire sur rien du tout en fait. On va aller vers là. Il ne passe rien du tout. Pourtant, j'ai bien configuré les touches, hein, c'est ça que je comprends pas trop. On peut mettre le jeu en pause, parce que là, c'est du classique. Par contre, je suis censé faire quoi? On va avancer un petit peu. Ah, on peut descendre par là. On a la fameuse grenouille. Je sais absolument pas ce qu'il faut que je fasse en fait. On va essayer de redescendre pour voir un petit peu là. C'est le mode démo, c'est pas possible.
J'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ce que je dois faire. Ouais, par exemple, il y a des nids, mais je sais pas comment faire. Peut-être qu'il faut que je les touche, je sais pas du tout. On va revenir en avant. Peut-être que je vais mourir à force, hein, de taper ça. Je vous avoue, je comprends absolument pas comment ça marche. On va essayer de se les faire. Alors, si vous arrivez à comprendre le but du jeu avec moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je suis censé faire avec lui? Rien du tout. Alors, une grenouille, ça nous fait tomber une vie apparemment, mais c'est tout ce que ça fait. Pas butiner les fleurs, je sais pas. Ah, voilà, on avance. Ah, je suis TP. On sait pas ce qui se passe. Warning sign. Alors on a un code MJPYWKCB. J'espère que vous avez retenu. Ah voilà, et là j'ai enfin de quoi pouvoir avancer. À quoi sert ces trucs? Alors je peux charger. Oh, pas mal. J'ai des missiles un petit peu bizarres. On va essayer de taper les guêpes ou les frelons asiatiques, hein. Je sais pas ce que c'est. Je vous avoue, je ne reconnais pas forcément. Aïe! Là, j'ai perdu un petit peu de vie. C'est bon, j'ai compris comment il fallait faire. Bon, apparemment, ils respawnent en boucle. Je suis sûr que je reviens, ils sont encore là. Ok. Bon, on va redescendre. On a une sorte d'anneau là. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Alors, ce qui est un petit peu dommage. Ouh, on s'est fait ralentir, j'ai l'impression. On a ralenti le temps, peut-être? Ouais, non. On est au ralenti complet. Là, j'ai récupéré un anneau. Oh, le jeu au ralenti. Regardez-moi ça, le jeu est au ralenti. Ah, on a réussi, d'accord. Oula, attendez, j'ai un petit peu du mal à comprendre où il faut aller. Donc, on va récapituler. Là, je peux tirer. Là, je peux faire une charge. Là, ça sert à rien. J'ai un truc pour butiner. Mais j'ai pas besoin d'utiliser. Je pense que c'est un bouclier. Ah, oui, en fait, suivant ce que je récupère sur les ennemis, en fait, voilà, j'ai plus qu'un tir, un tir simple. Là, on a encore ralenti le temps. Et là, on a des missiles à tête chercheuse. On va garder ça, hein, je pense que c'est le mieux. Oh, c'est complètement cheaté, là. Bon, on va le garder, hein. Alors, ce que j'aimais dans ce jeu, en tout cas, c'est vraiment le côté calme du truc, quoi. La musique est plutôt douce, la musique est plutôt réussie. On n'est vraiment pas au niveau d'une. Comment dire? En termes de musique, on est vraiment au-dessus du niveau d'une 16 bits classique. Hein. Le son est vraiment meilleur. C'était un petit peu le défaut d'ailleurs de la Mega Drive par rapport à la Nintendo. C'est pas Nintendo. C'était vraiment le son qui était vraiment pourri. Et surtout, le fait que bah, la console n'affiche pas autant de couleurs à la fois. Et là, ça a l'air d'être un petit peu réglé quand même. On s'est dupliqué. On va récupérer l'anneau. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu le même décor depuis tout à l'heure. Oh non, j'ai pris une arme pourrie.
J'ai pris une arme pourrie. On va descendre un peu. On va faire attention à la grenouille. Allez, attention, on va essayer d'en prendre des buts un petit peu. Je vous avoue, je tourne un petit peu en rond, je sais absolument pas où je dois aller. Oh, comme j'ai pris cher, faut vraiment pas aller en bas. Hein. Je sais pas trop comment on va faire pour les. Ah bah là, je suis mort. J'allais dire, j'ai pas de point de vie, mais. Je sais pas s'il y a moyen de voir la vie qu'on a par contre dans le jeu. On va essayer de les embêter en bas là. Vous voyez, c'est difficile de savoir quel nombre de vies on a. On voit rien sur le colibri. J'y vais comme un bourrin. Aïe. Je sais pas si c'est quelque chose à récupérer, à faire. Non, apparemment il n'y a rien à faire là. Ah bah voilà, il y avait un anneau à récupérer. Ouais, c'est vraiment sympa. Je trouve le jeu plutôt, plutôt agréable, plutôt. Alors je sais pas si je peux charger mes missiles. Non, là je peux tirer en boucle en fait. Si je reste appuyé, ça tire tout seul, donc ça c'est bien. Peut-être qu'il faut tuer tous les nids. J'ai pas la meilleure arme pour ça. Ah, ça par contre c'est la meilleure arme. Oh non! J'ai pris la mauvaise encore. Ouais, j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. Là, on a encore ralenti le temps. Je vois, c'est des choses à butiner, il semble qu'il n'y ait rien. J'ai rien eu du tout. On va remonter un peu à ce niveau-là. Que faut-il faire dans cette zone? Aïe, bah voilà, je suis mort. Bon, ok. Alors je pense que... Non, c'est bon. Aïe, j'ai encore le... Ah, j'ai encore pris un truc pourri. J'aimerais vous montrer un autre monde. Ça serait mieux. Oh là là, je me fais triple fisté là. Aïe. Ah, voilà, dès que je suis passé peut-être au vert. C'est peut-être pour ça où j'ai moins de vie, je sais pas. Faudrait vraiment qu'on calcule en fait le colibri. Il change pas de couleur. Je vous avoue, je sais vraiment pas quoi faire. On va aller le plus bas possible. Ce que je n'aurais pas dû faire. Ah, je suis passé au bleu. Vous avez vu, ma couleur a changé. Donc, à mon avis, c'est ça. Les points de vie, c'est quand il est au bleu. C'est qu'il a plus de vie du tout. Bon. J'espère qu'on va y arriver. J'espère combien de vie on a en plus. C'est quand même ultra bourrin. Hein. Aïe. Je sais pas où on pourrait aller en fait.
Il y a sûrement un achievement à trouver, mais je ne vois pas lequel. Ouais, là c'est bon, on a le... Et j'ai encore pris le mauvais truc, décidément, j'arrive pas du tout. J'aime bien en plus le pré-shot qu'on te fait dès le départ, quoi. À peine tu démarres sur la map, t'as déjà un mec, t'as déjà un ennemi qui t'envoie une boule. Non. Alors, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Eh, je suis encore mort. On fait que mourir en boucle, c'est incroyable. Aïe. Non, ça faut pas le prendre, c'est pourri. Ça non plus. Là où il y a le nid, il va falloir le casser. Voilà, parfait. Ça, on est tranquille. C'est vrai quand même que ça fait 3 fois que c'est la même map. Hein. Ah, je peux en prendre qu'un à la fois. D'accord. On va voir si on a un spécial, j'ai pas l'impression. Là, ça fait rien. Aïe, c'est échoué sur moi. Ça fait penser un petit peu à cause de Dolphin aussi. Si on ralentit le temps, est-ce qu'on peut avoir la grenouille? Non. Ok. Bon bah la grenouille, on peut pas l'avoir en ralentissant le temps. Je sais vraiment pas où aller. J'ai un anneau, j'en ai un là, je crois que tout va bien. Ou alors faut peut-être se faire manger par la grenouille avec l'anneau. Ah non, surtout que je l'ai plus l'anneau. Là on ralentit le temps, ok. Il doit bien avoir intérêt à ralentir le temps. Je cherche mais je ne trouve pas. Bon, je vais profiter de cette vidéo un petit peu particulière. Faut dire qu'on arrive enfin au bout en termes du déménagement. Donc le retour des vidéos classiques très bientôt. A savoir que je ne serai plus tout seul chez moi, donc ça va être un petit peu plus compliqué toujours, mais bon. Ça sera quand même beaucoup plus simple que pas de vidéo du tout. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais je suis encore mort. Décidément. Ah, c'est vraiment la vidéo pour le fun parce que voilà, je n'ai pas trop le temps de faire du contenu. À l'heure où je parle, normalement dans 2 jours j'aurai enfin mon nouveau chez moi. Et pour le coup, ça sera beaucoup mieux. Bon, il y a un truc à faire en bas. Ah, regardez! Attendez, vous avez vu la plante, elle a changé de couleur. Si je fais un coup spécial sur le truc, il y a... Non. Attendez, elle a changé de couleur. Donc il faut peut-être coloriser toutes les plantes. Ah, elles sont passées au bleu. J'ai compris. En fait, il faut faire reverdir toute la nature. Eh ben on va s'en occuper. Ok, ça a reverdi. Il y en a encore une. Ok. Là c'est bon aussi. Est-ce qu'en haut il y avait autre chose à faire revivre? Bon, j'ai pas l'impression qu'il y avait grand chose à faire reverdir ici. Ah mais c'est bon, je commence à comprendre. J'aurais mis du temps. Bon, en haut, il n'y a rien à faire. On va essayer de pas mourir.
Ça c'est bon, c'est fait. Alors attention. Voilà, faut faire verdir ces plantes-là. Et on a réussi. Ah ben décidément. C'est bon. Allez, encore un niveau, éruption. Donc là, ça va être pareil, hein, j'imagine. Toutes les plantes ont reverdi, ok. C'est le même niveau, hein. Je suis pas fou. Oh, c'est quoi ça? Il est intouchable. Oh! C'est quoi ce truc? C'était quoi? Aïe! Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, truc horrible là. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah, c'est bon, on l'a pété. Ah, par contre, c'est vraiment dommage, hein, c'est toujours le même décor. Bon, là, on est passé. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, là, on a toujours la. Ah, on a une petite bestiole à taper cette fois-ci. Ah, on est allé plus loin cette fois-ci, par contre. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça nous donne de la vie ou pas? Non, on n'a pas touché les bulles qu'il nous donne parce que c'est vraiment bien mieux le. Ah voilà, on l'a pété. On va remonter. Ouais, c'est pareil, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Bon, je sais que c'est pas évident pour vous, hein, spectateur avide de voiture, d'assister à un autre type de jeu. Et je suis mort! Aïe! Y a pas de game over, hein, j'ai l'impression. Non, pas d'avoir de game over. Ah, j'ai encore le même truc, parfait. C'est bon, on a buté. C'est quoi ça? On peut quand même mourir avec lui. Alors lui, c'est one shot direct. Ok. Bon, la grenouille, je pense qu'on va même pas essayer. Et j'ai encore pris le mauvais truc. Non, on a dit qu'on ne touchait pas la grenouille. Là, on a des petits. Je sais pas comment ça s'appelle. On dirait des gendarmes. Non, je sais pas ce que c'est. Comme type de. Oh, des coccinelles. Ah, on peut les butiner. Attendez. Normalement, on peut butiner. Il est intouchable. Ok, on a tué le nid, ça c'est bon. C'est quand même mignon les colibris, je sais pas si vous en avez déjà vu en vrai, mais. C'est quand même un oiseau ultra ultra petit qui va vachement vite. Qui bat, je sais pas combien. Ah là c'est marrant, regardez. Mais il va m'ennuyer. Ah, je suis mort. Je sais pas comment on fait pour le tuer celui-là. Bon, on va recommencer encore. Faites-moi penser. Et mince. J'ai pris encore le mauvais. Pas aller là. Je crois avoir compris. Non, il va me bloquer à chaque fois. Non, là il se passe rien. Je fais que me faire mal en fait contre lui.
Alors peut-être que pour avancer, il faut le... Non, je sais pas. Ah, il est aussi rapide que moi. Bon, on va laisser tomber, on va butiner. On va butiner, on l'a dit. Bon, lui, on peut pas l'avoir. Donc, à mon avis, il faut trouver autre chose avant de pouvoir avancer. On va descendre. Aïe. Alors oui, c'est assez étonnant parce que par exemple là je peux monter la caméra. Si je descends, je descends. Mais là je peux pas la descendre à cet endroit. Et on peut voir qu'il n'y a pas de décor en fait. Si vous regardez bien ici, il n'y a pas de décor sur la partie droite. Ah ben il m'a one-shoté encore une fois. Je sais pas du tout ce que c'est comme insecte, mais en tout cas il m'a bien eu. On va butiner tout ce qu'il y a. C'est ça qui est un petit peu dommage en jeu, c'est qu'on sait pas trop. Et mince. On sait pas trop ce qu'on récupère en fait. Ah oui, ça one shot automatiquement, en fait c'est auto-guidé, j'ai même pas besoin de tirer, ça tire automatiquement. Voilà, on va récupérer ça. Aïe. Ok, donc c'est l'auto-guidé aussi. Donc là, je suis obligé d'appuyer. Alors, je sais pas comment on va l'avoir. Aïe! Je sais pas du tout comment on va faire. J'ai pas de coups spéciaux. Aïe! Select ne fait rien. Ah c'est bon, on l'a eu. Alors je pense que le truc noir redonne de la vie. Mais je vais me tromper. Donc normalement le gros balourd il est plus là-bas. Yeah, on est passé. Enfin, je crois qu'on est passé. Je suis pas sûr. Alors là ça tire automatiquement, juste besoin de ne pas me faire toucher. Oh, il y a un ver de terre! Non, je suis encore mort. Ah, je suis dégoûté, on s'est fait one-shotter encore. Non, c'est bon, je crois que j'ai compris. On va faire une dernière tentative. On va butiner tout ce qu'on peut. Et on butinera à la fin, parce que j'ai l'impression que ça donne de la vie, mais pour l'instant, c'est pas important. Alors je peux pas vraiment orienter mon tir. Si je monte, effectivement, ça tire vers le bas. Ça bouge en même temps en fait. Je monte et ça fait monter le tir avec. Ici l'auto-guider, c'est pas mal hein. Alors est-ce qu'on est assez au niveau pour pouvoir toucher lui? Oui, on l'a eu. La grenouille, on fait gaffe. Ça on touche pas.
J'aime bien le bruit du ver de terre. Le pauvre ver de terre qui avait rien demandé d'ailleurs. Ok, on a avancé. Il y a encore rien de grenouille. Ouais, c'est vraiment les points de passage en fait, les grosses bestioles rouges qui nous bloquent. Oh, c'est quoi ça? On peut ralentir le temps. Regardez-moi ça, on est au ralenti! Écoutez, je trouve le jeu plutôt pas mal, hein, mine de rien. Je ne dirais pas comme ça, mais. Hop, là je passe à travers, je suis tranquille. De toute façon, on n'a rien touché. Voilà. On va remonter un peu. Touf. Alors en fait le jeu il rame. Hein. C'est pas qu'il rendit le jeu, c'est qu'il baisse la framerate d'un coup. Ouh, c'était chaud. On n'y vaut pas aller chercher, on va remonter. Faut passer par là. Ok. Oh, un nouveau monde. Ben voilà, le jeu avance. Écoutez. Ça, je sais pas ce que c'est. J'aurais pas dû le prendre. Ah là, c'est un side-scroller, donc en fait, on ne fait qu'avancer, hein. Je peux pas reculer. L'avantage pour moi, c'est que j'ai la bonne arme, en fait, j'ai l'impression. On va prendre le ralentisseur. Voilà, pour bien avoir le temps de viser. Alors je vous accorde qu'au début en faisant cette vidéo, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Si ça allait être le jeu vraiment sympa ou un truc tout pourri. Aïe, je me suis touché. Finalement, le jeu s'avère plutôt convaincant. Bon, enfin convaincant. Pour l'époque en tout cas. Attention à la grenouille. Aïe, j'ai encore fait toucher, faut faire attention. Je te mets vers le bas. Pour l'instant, je tire en boucle, hein, parce qu'ils arrivent d'en haut. Wow, on va faire gaffe, c'est bon. Oh, ça devient R-Type le jeu là. Et on a réussi. Eh, écoutez, c'est pas mal. Je sais plus ce que c'est par contre, ce qu'on a récupéré. Vous voyez, les items par exemple ne dérivent pas du tout quel effet ça va nous donner. Ouais, par contre, c'est vrai, ça c'est quasiment la meilleure arme du jeu. Hein. Le fait de pouvoir avoir un téléport constant, enfin des armes téléguidées, pardon. Là par exemple, les ennemis qui m'arrivent par derrière, si j'avais pas ces armes, j'aurais rien pu faire. Hein. On peut descendre? Oh. Non, non, je ne toucherai pas la grenouille, désolé. Allez, je suis bloqué, je suis obligé d'aller soit vers le haut. En haut, je peux aller, je vais descendre. Et là, j'ai changé mon arme, ça va être beaucoup plus difficile. On va remonter. Et ben là, je suis bloqué. Je ne sais pas du tout où aller. Je sais absolument pas par où m'en remonter. Le jeu est bloqué vers le bas. Attention à la grenouille. Je sais absolument pas quoi faire. Oh, par contre, il y a énormément de particules à la fois. Ouais, je veux pas remonter. La grenouille elle est toujours là, on peut pas remonter, si on peut. Ça tire en boucle. Ah, j'ai aussi l'impression qu'il y a une latence énorme dans ce jeu. Attendez, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment je vais bouger, comment je vais remonter surtout. Parce que là j'ai l'impression d'être bloqué en fait.
comment remonter? Je sais pas du tout là. En plus je suis forcé, hein. Si je vais vers l'eau ça marche pas. Ouais, ok. Bon, on va éviter de tomber dans dans la cascade. Je me suis complètement loupé. J'ai voulu rusher et en fait... Alors on va pas aller dans la cascade, hein. On va juste aller tout droit, voilà, on passe à voir deux fois. C'est peut-être à la fin qu'il faut aller dans la cascade en fait, pas au début. Oh, un truc d'eau, c'est quoi ça? Vous voyez, quand je bouge, c'est quand même ultra rapide. Bon, je pense qu'on a tout fait à cet endroit-là. On va revenir. Ce jeu, c'est vraiment... Il faut deviner ce que l'on doit faire. Hein. Bon, on imagine qu'il faut tout péter, jusque-là, pas grand-chose d'extraordinaire. Ouais, je reviens au même endroit, hein, mais je sais absolument pas si c'est par là qu'il faut que j'aille, si je reviens sur mes pas. Est-ce que c'est des ennemis qui ont ripop ou je me fais démonter? Je sais pas du tout. On va reprendre un peu de vie. Ah, il repop en boucle. Donc je pense qu'une fois qu'on a fait ça, il faut peut-être aller... je ne sais pas où. Bon, retente une dernière fois de ce côté. Mais je pense qu'il y a rien d'autre à faire. Pas aller en bas. Ça, on va la récupérer, ça fait plaisir. Je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs. Ouais, ça repop en boucle. Hein. Faut que je descende dans la cascade alors. Et voilà, je descends. Je peux plus revenir. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Et là, bah, on est à nouveau bloqué. Je ne sais absolument pas pourquoi. Y a rien qui peut toucher la grenouille. Ah, mais si, je suis bête! Allez, ça doit pouvoir y aller là. Ouais. C'est bon, j'ai compris. Voilà. En fait, il faut utiliser le temps ralenti. Oh, attention, le truc qui me tombe dessus. Ah, je suis mort. Bon, ben voilà, il fallait utiliser le temps pour pouvoir traverser avec la grenouille. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc, bah, jeu pas mal, mine de rien. Hein. Je dirais pas comme ça. C'est un jeu plutôt cool. Pas mal de petites énigmes à trouver soi-même. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, je trouve le jeu plutôt, comme je dis, plutôt calme. Voilà, on est bien, quoi. Pour se balader dans la nature. C'est un jeu assez frais. Que ma foi, je recommande modestement. Hein, puisque je n'ai pas trop de jeux à référence à ce niveau-là, à part des R-Type. Ou même des Rayman à la limite. Ça ressemblera un petit peu à ça, mais bon. Voilà, donc c'était Colibri sur Genesis 32X. 32X, hein, je précise, parce que sur la Mega Drive, je pense pas qu'il soit sorti. C'est vraiment sur la 32X. Donc, petit jeu sympa. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère qu'on se retrouve rapidement pour bah, du contenu un peu plus en masse. Même si je vous ai dit, ça a été compliqué pendant ces semaines qui ont suivi. Je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine!